Tadam! Eh oui, 19h, c'est l'heure du stream. Bienvenue dans ce nouveau numéro de The Big Gamowski. Nouveauté, shmup, shmup, nouveauté, ce sera shmup. Alors là, la DeLorean va nous gratifier d'un petit jeu qui est, ma foi, terrible. Alors, les gens qui ont eu la chance d'approcher une Neo Geo, voire même d'en posséder une, vont être ravis. Puisque le shmup du jour, ça va être Pulstar. Ça me fait juste penser que j'ai un poil oublié de paramétrer ma capture d'écran, et donc je vais le faire en live avant que ça plante. Non mais vous avez vu les astuces, quoi? Eh, incroyable, incroyable. Donc, Pulstar, qu'est-ce que c'est donc? C'est un scroller horizontal qui date d'autour des années 90, il me semble. 95, c'est ça, 95. Et qui avait la particularité de présenter des très très jolis sprites. Ça faisait partie des premiers jeux, bah oui, entre 90 et 2000, oui, c'est la bonne période, les premiers jeux où on essayait de foutre de la 3D un petit peu dedans. À part que là, c'est un petit peu cheaté, puisque c'est de la 3D précalculée. Donc forcément, il y a un petit peu de triche. Effectivement, le jeu ne s'affiche pas. C'est tout à fait normal, j'aime Pierre. Rends-moi mon curseur, s'il te plaît. Quand il fait l'accent, vous le savez, c'est qu'il commence à s'énerver et qu'il va falloir rappeler qui? Il va falloir rappeler qui? Eh oui, l'infirmière. Infirmière, vaccin anti-JDG, s'il vous plaît. Oui, la dose pour cheval. Non, 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 rhinocéros. Voilà. Ah. Ah. Tout le monde est gentil, ça y est, c'est super. Tout va fonctionner dans le meilleur des mondes. Non, je n'ai toujours pas ma capture d'écran. Je suis heureux. Mais vous savez ce que je fais comme d'habitude? Je quitte intégralement l'EMU et on relance tout en serrant les dents. Allez, c'est reparti. Pulstar, peut-être un jour sur vos écrans, juste après la pub. Tadam. Non, même pas sur vos écrans, je crois. Vous ne l'aurez jamais. C'est pas de la mauvaise volonté, mais ça y ressemble un petit peu, j'ai l'impression. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Faudrait qu'un jour je trouve un système quand même plus sympa pour... courir dans une combi moulante au ralenti, à l'intérieur du couloir d'un vaisseau spatial. Ciel, ciel. Donc, comme je vous le disais, Pulstar, c'est rien d'autre qu'une version un petit peu maison des ressucés de. Une version maison des ressucés de R-Type et consorts. Hein, là, la lave, on ne sait pas de quel jeu ça peut être inspiré. Aucune idée, vraiment, 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 vraiment. Ça pourrait pas être Gradius, c'est pas possible, que Pac-Man peut-être. Ouais. Donc, et con, sûrement. Allez, moi, c'était un trop. Tu aimes la 3D? Tu vas en manger. Alors moi, il y a un truc que je vais proposer à la banque, c'est de manger des crédits, parce que je ne connais pas ce jeu. J'ai eu une Neo Geo, j'ai fait partie de ces vénards, mais j'ai pas eu ce jeu. Par contre, j'ai eu son cousin, j'ai eu Last Resort, qui était vachement bien aussi, qui m'a bien énervé. Que je vous streamerai, mais ce sera spécial. Donc, piou, 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 tir appuyé, s'il vous plaît, Mounette. Eh oui, tir appuyé, c'est sacré. On peut pas projeter le bouclier. Ah oui, ça c'est gros tir ça. On peut plus ou moins orienter ces trucs, mais il doit falloir. Ah ok, c'est faut les déclencher avec l'autre bouton. Va falloir que je prenne le temps de repérer ça, sinon je vais être dans la. Comment on dit déjà? Dans la mélasse. Oui, c'est exactement ça. Le stage 1 nous conviendra tout à fait. Alors de ce que je me rappelle, ce jeu avait des niveaux assez longs. Ou alors peut-être c'est moi qui vieillotte de la cafetière, comme on dit. Tu l'aimes la 3D, tu vas la manger. Du coup, ils ont fait un pseudo R-Type. Pseudo 3D, avant les R-Type en 3D. C'est pas la classe, ça? Oui, je sais, je suis un petit peu fanboy de SNK. Ça va me passer. Non, ça ne passera jamais, me. Donnez-moi ces bonus, les gars, vous n'en avez pas besoin. Moi, j'en ai plus besoin que vous. Et oui. Ah, passe toi, c'est pas grave. Et si je l'éteins pas, je vais avoir un gros problème, je crois. Ah, quand il veut mettre du monde, il met du monde. Hein.
Ouh là 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 là, ça va mal se passer en dessous, je sens les merdes. Vivement les petites satellites annexes. Que ce soit moins galère. Alors, le homing, contre tes trucs à pattes, là, il est pas super, super, comment dire. Génial, quoi. Alors, souvent, dans les shooters horizontaux, l'astuce, c'est de rester à mi-chemin de tout. Des obstacles, des ennemis, de toute menace, même du décor. Merde. Comme un bleu. Oh là là, alors ça c'est le truc. À chaque fois la galère de se remonter un équipement à peu près potable pour avoir un tir qui n'est pas le tir du désespoir. C'est toujours un peu tendu. Oui, bouge, 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 bouge. Tout ça pour se cracher sur un bout de décor en Paris. On va éviter de le contrarier et ses petits cousins aussi. Ils ont l'air vachement susceptibles, je trouve. C'est tendu. C'est bien tendu. Ah, le voilà, ce petit module. Alors, comment je le bouge, moi? Ça y est, il est verrouillé devant. C'est parfait. Rêve, gros tas de morts. Et ça, Queen. Bon, ça va, il a pas trop résisté le pépère. Je m'attendais à vraiment un gros mauvais quart d'heure. En fait, le plus compliqué, je pense, ça va être de passer le niveau. Oui, j'ai entendu au fond qui a dit que c'était validé. Tu as lu dans mon esprit. Oui, bah je... C'est quand même super joli, hein. Merde, c'était un bout de décor, ça. C'est super joli. Vous remettez ça dans l'époque. Ouais, ça fait partie des premiers shooters 3D qu'on a eu. Enfin, 3D. Avec des sprites 3D. C'est le terme approprié. Je sens que je morflais là, avec mon petit tir. Je continue ma phrase une fois que j'ai chopé un armement à peu près décent, là, parce que ça va très très mal se passer. Non, mais c'est comme dans le AirTag, quoi, texto. Ça va être tendu du string, moi, je vous dis. Même le deuxième, rien que le deuxième niveau. Parce que c'est un peu la misère au tir, là. Alors, courage, reste zen. Allez, faut y aller du tir chargé apparemment. Sinon, il y a moyen de se faire ennuyer d'une manière assez radicale. Oui, ça passera là. Non, mais moi j'ai des doutes. Hein. Non. C'est passé. Mais comment j'ai fait? Moi-même, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai pris là? J'ai pris une backbullet, je pense. Je vérifie. Non, je n'ai pas mon t-shirt. Non, pas par derrière. Dramatiquement. Et il va me manquer, il va beaucoup me manquer le bougre.
Alors, je vais éviter les... Je vais éviter tout, en fait. Ah oui, ça tire par en dessous, là. Ah, et la flotte vous fait descendre. Ça, c'est rigolo. Pas tous ensemble, les aninges. Oui, je continue. Même punition. Ça va être tendu. Ah, mais bon, passe, passe. T'as envie de passer, hein. Je vais pas te contrarier. Je m'en voudrais. Putain de tourelle de bordel de... Oui, je ne suis plus dedans. Il m'a contrarié sur mon premier tir et contrarié je suis, contrarié je meurs. Bref, pas efficace je suis surtout. Allez, tout au tir chargé, c'est le seul moyen de s'en sortir à peu près correctement. Pff, dégage tourelle. Et je me scratche dans le décor, sérieux. Ah, la guigne. Mais sérieux. Vous comprenez pourquoi je suis pas un pro des shooters horizontaux. Le slalom des corps, c'est pas mon trip. Bon, au moins vous aurez vu en 5 ou 6 fois toutes les conneries qu'il fallait pas faire. J'ai une certaine efficacité en fait. Donc, attention à ce qui tombe, attention à ce qui va tirer en bas. Enlève les tourelles. Attention les tirs! Enlève les tourelles. Attention les autres bestioles! Non, mais si je me scratch à chaque fois à cause de la même tourelle dans l'angle, moi je m'en fous, je fais ce stream jusqu'à ce que ça passe. Hein. C'est pour vous, j'ai de la peine. Moi je m'amuse. Non, je m'énerve surtout. Non, je m'amuse. Je m'amuse en m'énervant pour l'instant, je crois. Alors, on va le faire de loin. Hein? Loin des yeux, loin du cœur, loin des ennuis. On s'éloigne du tir là, on va la laisser cette tourelle. Elle a pas l'air de vouloir jouer avec moi. Maintenant c'est eux qui vont, comment dire, avec mon armement de merde, si je repars à cet endroit-là, mais ça va pas être possible, on va y passer la nuit les amis. Je crois qu'on détient là la raison pourquoi ce jeu ne va pas aller dans le top. Parce que ça c'est la grosse problématique qu'on a sur pas mal de shooters. Chaque fois que vous vous retrouvez à poil, les passages qui étaient quand même relativement gérables deviennent totalement ingérables. Et c'est dommage de devoir refaire 10 000 fois le truc parce que là, il faut un skill particulièrement aiguisé pour arriver à passer. Alors que si on n'avait pas scratché son tir précédemment, ce serait finger in the nose, comme le dit l'expression populaire. Non, non, non. Si j'avance pas ce passage sur ce coup-là, je vous garantis qu'il va y avoir un problème. Je vais reset la console. C'est-à-dire le stream va couper, je vais couper le PC. Comment ça, je suis mauvais joueur? Bah, il y a un moment où c'est moins drôle. Hein? Faut dire ce qui est. C'est bon, je me suis pas pris l'autre en dessous. Là, je me prends le tir. Là, je me prends l'autre tir. Là, je me prends l'autre tir. Là, je vais me prendre la tourelle. Pareil? Allez. Oh putain. Ouais, je suis passé à la lâcheté, quoi, parce que c'était pas possible autrement, je pense. Et là, il va m'arriver une bocole, je sens. Parce que c'est un poil encombré, hein, si vous lisez avec moi. Eh oui, eh oui. Remets-moi bien derrière où j'étais, c'était trop bien. Comment ça, je m'énerve? Non, pas du tout. Infirmière? Oui, bah, il va en falloir un autre. Hein. Ouh, gros scrogneugneux et plein de trucs vachement pas sympas, quoi. Ouh, moi je vais faire ma colère. Alors c'est amusant quand le gars qui stream, il fait sa colère, quoi. Parce qu'on se moque. Mais mettez-vous à ma place. Souffrez un peu aussi. Ça va pas être possible! Ça va pas être possible, votre truc, je vous le dis.
Non, non, c'est pas fait pour passer de toute manière. Regardez, on passe pas à deux là. Madame, poussez-vous. Monsieur, non. Vous ne verrez jamais la fin de ce jeu. Parce que même en pouvant mettre tous les crédits que je veux du monde, je n'arrive pas à passer. Et je suis le premier à admettre que c'est triste. Ceci dit, dans le même passage, j'aimerais bien vous y voir. Il y a des chances que ce soit pas vraiment mieux. Je vais pas inventer un skill que je n'ai pas, je vais juste justifier que là, c'est quand même punitif. Voilà, si on n'a pas le bon tir, on ne peut pas se débarrasser de ces trois fabuleux connards. Parce qu'on va les appeler quand même par prénom. Et donc, problème, il y a. Je suppute qu'il y a un deuxième bonus ensuite d'en dessous, peut-être. Ça veut dire qu'il faut que je fasse plein de manip pour pas grand-chose. Oui. Oui, je parle et j'oublie de m'occuper de l'élémentaire. Serait-ce le stream de l'acharnement? Non, je vais le laisser en dessous, je sens pas qu'il y a de bonus là-dedans, à part un emmerdement supplémentaire gratuit. Je vais passer à l'arrache en bas. Hein. Ce sera fait, j'aime bien. Ça passe! Dit-il presque tranquille, arrête de tirer, passe, laisse-les faire leur merde. Ah, le petit tir rose là, faudrait que je repère d'où ça vient quand même. Le tir vertical m'a transpercé d'une manière pathétique. Si ça passe pas cette fois-ci, par contre, je vais peut-être vraiment arrêter, quoi. Parce que moi-même, j'ai même pas ramassé le bonus élémentaire, quoi. Je n'ai pas le bouclard. Allez, je pense que ça passera beaucoup mieux sans le bouclard. C'est lui qui m'encombrait, il me gênait. Moi, j'avais pas que ça à faire. C'est un peu comme si on roulait avec la capote fermée un jour où il fait beau, quoi. C'est pareil. Dégage-toi. Non, je ne tire sur personne ici. Vous me gonflez. Vous êtes pas des sympas. Allez, toi, tu tires là où je t'ai repéré. Ah, mais du coup, j'ai pas repéré ici d'en dessous. Le stream du fell. J'ai raté mon Non, je peux pas. Je peux pas. C'est cassé. Ça marchera plus. Oh putain, j'aurais mieux fait de laisser venir Marcus dans mon stream. Voilà ce que c'est d'avoir voulu être vache. T'as un invité de prestige qui arrive. Et tu le laisses pas jouer, bah t'aurais mieux fait. Hein. Oh nom de Dieu. C'était Pulstar, un très bon shooter sur Neo Geo. Je rigole, mais je ne déconne pas. Un très bon shooter sur Neo Geo, que je vous recommande chaudement, mais qui a un poil tendu, quoi. Si j'avais un conseil à vous préconiser, ça serait surtout ne perdez pas votre armement. Non, pour redevenir un peu plus sérieux, en fait, ce jeu a exactement le même problème que j'avais rencontré dans Last Resort, dont je vous parlais au début du stream, qui est pareil, qui est un R-Type-like super génial, mais qui vous oblige quasiment à one credit de jeu pour le finir dans des conditions relativement humaines, quoi, et pas devoir vous retartiner des passages à la con qui deviennent obstacles uniquement pour cette histoire d'armement qui est pas adaptée du tout, quoi. C'est le gros. De toute façon, depuis R-Type, on a toujours eu ce problème dans les horizontaux. Et c'est peut-être pour ça que je les aime pas vraiment. Sur ces belles images, je vous dis à demain 19h. Si vous ne savez pas quoi faire, eh ben tiens, chope-moi voir cette playlist. Ou bien celle-là, si elle te plaît mieux. Il devrait y avoir de quoi t'occuper un petit moment. Allez, bisous, prenez soin de vous.